sa parole. Aïcha radiallahu disait, il ne débitait pas comme vous le faites. Lorsqu'il parlait, ses propos étaient clairs au point que celui qui les entendait pouvait les retenir. Il répétait ses propos trois fois afin d'être bien compris. Et lorsqu'il saluait, il saluait à trois reprises. Il ne parlait pas sans raison. Il disait peu de choses, mais qui voulaient dire beaucoup. Il ne parlait pas sur ce qu'il ne le regardait pas. Il ne parlait que lorsqu'il y avait un intérêt et pour lequel il espérait une récompense. Il n'était ni vulgaire, ni grossier et n'hurlait pas.